Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre mardi en direct. Vous êtes tous les bienvenus comme à tous les mardis soirs depuis plusieurs années maintenant. Et ce soir, le sujet dont nous allons parler, c'est les familles d'âmes. Alors, c'est un sujet qui est vraiment intéressant et ça fait plusieurs fois que vous me demandez de parler de ce sujet-là. J'en ai déjà parlé dans certains mardis en direct, mais ce soir, on va vraiment se concentrer sur les familles d'âmes. Est-ce qu'on se réincarne toujours avec les mêmes personnes? Est-ce qu'on se connaît tous? Est-ce qu'on est tous liés les uns aux autres? Ou bien est-ce qu'on a des petits groupes de familles d'âmes? C'est ce qu'on va parler ce soir. Donc, restez avec moi, restez avec nous. Je vais commencer par saluer les gens, bien entendu, comme à tous les mardis. Pour commencer, je vais saluer Daniel et Michel, mes modérateurs sur mon YouTube et sur mon Facebook ce soir. Merci à vous deux d'être présents et vigilants avec les commentaires. Et là, je vais aller saluer les gens qui nous ont rejoints. Alors, on commence. Bonsoir Isabelle Pitre, Ghislaine Caen, Daniel Desjardins, Cathy, nous avons Sylvie Desjardins, je pense que je l'ai dit, Sylvie, oui. Élisabeth Renaud, nous avons aussi Rosélène Forcier, Estelle Lancette, Yolande Bergouin, bonsoir. Nous avons aussi Denis Villemur, bonsoir à toi, Sonia Toulouse, Lison Philibert, Carmen Gagnon, j'ai aussi Maryse Labrie, j'ai Tricoté Fil, j'ai Liette Bouchard, bonsoir, Chantal Paquet, bonsoir, Denise Sidiot, bonsoir, Marie Thibault, bonsoir à toi, Lucie Aubé, Manon Dextraz, Jess Diane, Nancy Robichaud, Lynn Saumur, Marie-Josée Trudel, Claudie Turcotte, Carmel qui est là, Teresa d'Auvergne qui est avec nous, Chantal Lagacé. J'ai aussi Gemma Belle, Lise Richard, Diane Ouellette, Joanne Jacinthe-Jalbert, Claudette Provençal, bonsoir, Isabelle Côté, bonsoir, Manon Legault, Josée Fontaine, Julie Lévesque, Suzanne Gagnon, Nicole Dorion, Lynn Couture, nous avons Lorraine Boisvert, Daniel Petit, Manon Beaulieu, bonsoir à toi, Carole Lessard, Marie Levasseur, Nad Doucet, du Saguenay. Bonsoir, ma chère. Mylène Sirois, Diane Albert, Ginette Sylvestre, bonsoir, 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 bonsoir. Vous êtes encore une fois des centaines de personnes présentes à mon mardi en direct. Je suis contente. Mettez-moi dans les commentaires si c'est la première fois que vous assistez à mon mardi en direct. Et si c'est la première fois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a référé? Hein? Donnez le nom d'une personne qui vous a référé pour être là ce soir. Pour lui dire merci, pour que je lui dise merci, mais pour qu'on lui dise merci. Alors, je me présente Marilène Coulombe, je suis médium, je suis aussi coach d'éveil psychique, j'aide les gens, c'est ma mission, j'aide les gens à développer leur intuition, j'aide les gens à faire des éveils de conscience par rapport à tout ce qui est la médiumnité, tout ce qui est le monde invisible, les êtres de lumière, les prémonitions, le futur, les vies antérieures. Alors, tout ce qui englobe un peu les choses intangibles, les choses invisibles, eh bien, je suis votre professeur, je suis un professeur dans l'âme. Pour revoir mes mardis en direct, c'est simple. Vous allez sur ma chaîne YouTube dans la section mardi en direct ou vous allez sur Facebook dans la section des vidéos. Et là, vous allez voir plein, mais plein, mais plein de vidéos que vous allez pouvoir prendre le temps d'écouter avec un petit café ou peut-être un petit verre de vin bientôt avec les terrasses qui vont ouvrir, les decks qui vont ouvrir, hein, vos endroits à l'extérieur, alors je cherche le mot là, mais où est-ce que vous allez installer votre parasol, où est-ce que vous allez installer votre balançoire. Et bien sûr, je vous demande de mettre un petit pouce en l'air. Tous les mardis en direct sont gratuits. Mais je fais beaucoup de recherches, je prépare beaucoup de matériel pour vous jaser ça, disponible tout le temps le mardi soir avec vous. Alors, j'aimerais juste avoir un petit pouce dans les airs, un petit bonhomme sourire. Sur YouTube,
petit pouce dans les airs, abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications et s'il vous plaît, partagez les vidéos parce que les sujets que je parle bien, peuvent intéresser des gens de votre entourage. Puis peut-être que ces gens-là, justement, vont vous dire merci. Merci d'avoir partagé mes connaissances. Avant qu'on commence notre mardi en direct de ce soir, vous avez jusqu'au 30 avril pour vous inscrire à mon programme Devenir médium professionnel. C'est un webinaire que j'ai fait samedi dernier dans lequel je vous présentais et je faisais le lancement de l'ouverture de mon école. Et oui, enfin, Marilyn, après plus de 20 ans, j'ai ouvert mon école et la formation que j'offre pour partir. Et c'est une formation qui s'adresse aux gens qui ont des dons, qui croient avoir des dons et qui voudraient en vivre de leurs dons. OK? Alors, je vais vous coacher, je vais vous aider, un beau programme. Vous pouvez écouter le webinaire en rappel. Alors, Michel et Daniel, si vous voulez bien mettre le lien pour réécouter le webinaire. Puis, entre parenthèses, samedi matin, je vais faire un autre webinaire dans lequel je vais aller répondre à vos questions parce que j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de questions. Catherine a reçu beaucoup de questions par courriel. Alors, ce que je vais faire, au lieu de tout le temps répéter, samedi matin, je vais faire un autre webinaire que pour répondre à vos questions. Et vous avez jusqu'au 30 avril pour vous inscrire au Club de l'éveil pour recevoir votre boîte du mois de mai. Et la boîte du mois de mai, bien, c'est la puissance de l'aromathérapie au service de la médiumnité. Alors, merci, merci, merci aux personnes qui ont répondu à ma question du lundi. Ma question du lundi cette semaine, c'était... Est-ce qu'on se réincarne avec les mêmes personnes? Et encore une fois, vous avez été hyper nombreux à me répondre. J'ai entre autres Danielle Gladue qui m'a répondu sur Facebook. Elle dit, je crois à la réincarnation, mais pas dans la même famille. Mais dans la même famille, je ne crois pas. Donc, Danielle, elle croit à la réincarnation, mais elle a des doutes, elle ne croit pas qu'on doive se réincarner toujours dans les mêmes familles. Hélène Sarrazin, elle, de son côté, dit « je crois que oui, mais avec des liens différents ». Donc, pour Hélène, oui, on se réincarne dans les mêmes familles, mais on a des liens différents. Alors, au lieu d'être la mère et le fils, bien, on va peut-être devenir le chum, la blonde, on va peut-être devenir des cousins, des cousines, etc. Sur YouTube, j'ai Sim Octane qui a répondu « Seulement si nous avons besoin d'eux pour progresser, pour nous aider ou pour les aider. » Alors, hyper intéressant comme réponse. Encore une fois, vous étiez nombreux. Merci, merci, merci. Toujours intéressant de vous lire. Alors, est-ce qu'on se réincarne avec les mêmes personnes? Bien sûr, j'ai des réponses pour vous. Puis les réponses, où je vais les chercher? Mais encore là, c'est par les années d'expérience que j'ai avec la communication avec les personnes qui sont décédées, avec les défunts, avec les êtres de lumière, avec les guides, avec les archanges, etc. Mais bien sûr, dans ma petite personne de Marilyn, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, hein? Mais j'apprends, j'apprends et encore aujourd'hui, j'apprends énormément de choses. Mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, la réincarnation existe. Et pour moi, c'est une de mes convictions profondes. Mais on peut se réincarner, pas nécessairement dans les mêmes familles, pas nécessairement avec les mêmes personnes, mais parfois, oui, on va se réincarner avec les mêmes personnes. Donc, écoutez bien, c'est pas systématique. C'est pas parce que dans cette vie-ci, j'ai ce papa-là, cette maman-là, ces enfants-là, ces conjoints-là, ces conjointes-là, etc., que dans la prochaine vie, je vais toutes me réincarner avec ces âmes-là. Puis on va tous être des gens différents. Hein? Je ne serai pas Marilyn, une femme. Je vais peut-être être un homme. Je vais peut-être être le père de mon chum actuel. Je vais peut-être être le frère de ma cousine. Donc, c'est pas systématique qu'on se réunit dans la même gang, dans la même famille. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que d'une vie à l'autre, on évolue. Et la façon dont on va évoluer, ben, ça dépend de notre rythme à nous, ça dépend de notre ego, ça dépend de la personnalité qu'on va développer dans cette vie-ci. Et dans ma personnalité, moi, je vais peut-être être plus paresseuse, je vais peut-être être plus lente, je vais peut-être faire plus de procrastination, je vais peut-être plus tourner en rond, me tourner les pouces. Je vais peut-être pas vouloir évoluer si vite que ça. Alors, moi, dans cette vie-ci, si j'évolue pas vite,
Mais dans ma prochaine vie, je vais peut-être avoir le double de travail à faire, le double d'expérience à vivre. Mais si autour de moi, tout le monde a évolué très rapidement, ils ont avancé, mais dans une prochaine vie, je ne me réincarnerai pas avec eux parce qu'ils sont rendus déjà plus loin que moi, juste dans cette vie-ci. Et peut-être que ça, ce que je suis en train de te dire, peut-être que ça te rejoint. Ou peut-être que tu as remarqué ou tu as reconnu des personnes autour de toi. Tu sais, le stress, on parlait de ça hier dans mon cours des lois biologiques avec Martine. On parlait de des amis, les gens qu'on fréquente. On a des moments dans notre vie où est-ce que, par exemple, nos amis sont là, on les voit régulièrement, une, deux, trois fois par mois, on fait des activités ensemble, on part en voyage ensemble, puis à un moment donné, on s'éloigne. On s'éloigne, puis on se voit à peine peut-être une fois par année, une fois par deux ans, une fois par trois ans, une fois de temps en temps, puis là, on s'envoie un texto ou un Facebook, etc. Mais c'est pas parce qu'on est en mauvais terme, c'est pas parce qu'on s'est chicané, c'est pas parce qu'on les aime plus, mais c'est parce que la vie nous a amenés ailleurs. Mais c'est exactement la même chose qui se passe quand on arrive dans l'au-delà. Quand on arrive dans l'au-delà, bien, on va tous se retrouver. Même si j'ai eu une amitié avec une personne pendant un an, ça a bien été, mais qu'à un moment donné, nos chemins se sont séparés, mais je vais arriver de l'autre côté puis je vais la retrouver, cette personne-là. On va se parler, on va se dire, parce que quand même un an, on a partagé des choses. Dans le livre de ma vie, je vais avoir des choses à comprendre de son passage dans ma vie et moi dans sa vie à elle ou à lui. Mais est-ce que ça veut dire que cette personne-là, je vais me réincarner avec elle dans la prochaine vie? Non, pas nécessairement. Parce qu'on n'est pas rendu à la même place. On n'a pas évolué en même temps. Et là, je parle des amitiés. Mais si on se rapproche, OK? On se rapproche. Qu'est-ce qui fait des fois qu'entre conjoint, conjointe, on se sépare? Et c'est parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. On n'a plus les mêmes attentes, les mêmes affinités. Encore une fois, nos chemins se séparent. Et on n'évolue pas au même rythme. Donc, quand on va arriver de l'autre côté, est-ce que je vais vouloir revenir avec cette personne-là? Peut-être pas. Parce que si déjà dans cette vie-ci, moi, je trouve que j'ai évolué plus vite que cette personne-là, puis que cette personne-là traînait de la patte en arrière, dans ma prochaine vie, je ne veux pas être pris, entre guillemets, à traîner encore cette personne-là. Puis surtout si dans cette vie-ci, j'ai encore évolué 10 fois plus que lui, puis que j'arrive de l'autre côté, puis que moi, je suis là, puis lui, il est là. Puis ça peut être l'inverse, hein? Moi, j'ai plus évolué, mais ça se peut que ce soit la personne qui est plus évoluée puis moi qui est moins évoluée. Alors, on ne se réincarne pas systématiquement avec les mêmes personnes, dans les mêmes familles. Ça dépend aussi tout de nos expériences de vie, nos missions de vie et nos choix de vie. Ainsi, je vais reprendre mon exemple à moi. Dans cette vie-ci, il y a des fois où est-ce que je vais déjà organiser ma prochaine vie, OK? Et des fois, je vais dire, ben moi, là, dans la prochaine vie, puis là, vous commencez à me connaître, ceux qui me connaissent, là, vous le savez, ben moi, dans ma prochaine vie, je ne reviens pas au monde au Québec. Non, moi, je reviens au monde dans un pays où il fait chaud, dans un pays où est-ce qu'il n'y a pas de neige puis il n'y a pas de froid. Alors moi, si toute ma gang, ma famille, mes enfants, mon monde proche, ben c'est pas dans leur souhait puis c'est pas quelque chose qui ça va être important pour eux dans une prochaine vie, je me réincarne tout seul de ma gang dans la prochaine vie dans un autre pays. Je fais un exemple, là, OK? Mais c'est comme ça que je veux l'apporter pareil. Donc, d'une vie à l'autre, quand on se réincarne, on peut se réincarner avec certaines personnes. Donc, soit parce qu'on a encore besoin d'évoluer ensemble, c'est-à-dire qu'on est au même endroit, on a avancé au même rythme. Tu sais, des fois, il y a des gens, ils ont des amitiés, ça fait 40 ans, 50 ans qu'ils sont amis ensemble. Et jusqu'à la toute fin, ils sont encore amis. Ils ne se voient pas juste une fois de temps en temps, c'est encore régulier. Bien ça, je pourrais vous dire que dans une prochaine vie, il y a de bonnes chances que ces deux personnes-là se réincarnent si leur mission est semblable, si on sent sensiblement les mêmes choses à vivre ensemble puis qu'ils ont encore de l'interaction à avoir ensemble. Bien oui, ils vont se réincarner ensemble. Mais c'est pas, je veux répéter, pas systématique. Donc, parce qu'on veut encore évoluer ensemble ou parce qu'on a besoin l'un de l'autre, parce que c'est une motivation. Moi, dans cette vie-ci, il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont hyper aidé à cheminer, hyper aidé à avancer. Alors, moi, ce que je me dis, c'est
Ben, c'est le fun de l'avoir dans ma vie, dans cette vie-ci, mais j'aimerais ça l'avoir dans ma prochaine vie aussi parce que cette personne-là m'a aidé à cheminer, m'a aidé à avancer. Alors, je voudrais l'avoir encore dans la prochaine vie. Et quand on va être de l'autre côté, à se préparer, à se réincarner sur Terre, ben, probablement qu'on va se parler ensemble, puis on va peut-être justement se dire, hey, est-ce qu'on vient ensemble? Puis, hey, veux-tu revenir dans ma partie de vie à moi aussi? Puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Non, des fois, oui, c'est une des raisons pourquoi on va se réincarner dans le même groupe dans le même groupe d'âmes, dans la même famille. Soit parce que aussi nous avons des choses à régler ensemble, qu'on appelle le karma. Hein? Alors, il y a des choses qu'on n'a peut-être pas fini de régler dans cette vie-ci. Il y a peut-être des situations qu'on n'a pas fini de régler dans cette vie-ci. Quand on va arriver dans l'au-delà, on va avoir un cheminement à faire. On va avoir, entre autres, lire le livre de notre vie. Moi, j'appelle ça comme ça. Lire le livre de notre vie, à savoir, bon, par exemple, avec cette personne-là, moi, j'avais des conflits, j'avais des difficultés. On s'est jamais bien entendu, mais j'avais pas le choix de l'endurer. C'était, par exemple, mon frère, c'était probablement ma sœur, c'était peut-être mon père, ma mère, peu importe. Et quand j'ai terminé ma vie ici sur Terre, j'ai pas réglé. J'arrive dans l'au-delà, je lis mon livre. OK, j'ai des choses à régler avec papa, avec mon frère, avec ma sœur, peu importe. Et dans l'au-delà, je le règle pas plus. Parce que oui, on peut régler des choses dans l'au-delà. On n'est pas obligé de se réincarner sur Terre dépendamment de ce qu'on a besoin de vivre ensemble, comme karma, des choses qu'on a besoin de régler ensemble. Exemple, si c'est un problème de sexualité qu'on a à régler ensemble, je peux pas le régler dans l'au-delà, ça n'existe pas la sexualité. Alors, je vais devoir venir le régler ici sur Terre. Et comme c'est avec cette personne-là, c'est pas juste la sexualité le problème, c'est avec cette personne-là, eh bien, on va se prévoir, cette personne et moi, dans une prochaine vie, un rendez-vous, un moment où nos âmes vont devoir se croiser pour régler cette situation-là. Alors oui, il y a des choses qui se règlent dans l'au-delà, mais il y a des choses qui ne se règlent pas. Donc, on revient ici sur Terre et ce qu'on appelle le karma, on va devoir venir le régler ensemble. Alors, à cette occasion-là, pour cette occasion-là, eh bien oui, on va se réincarner ensemble. Ensemble veut dire dans la même époque, dans la même période. Le temps n'existe pas, l'autre côté. Dans l'au-delà, le temps n'existe pas. Mais ici, on est régi par un certain laps de temps. Alors, si par exemple, moi, je me réincarne dans les années 2000, bien, la personne avec qui je dois régler quelque chose va se réincarner dans la même époque. Et là, compte tenu aussi de ce qu'on a à vivre ensemble, parce que si on a des choses à vivre ensemble, tous les deux adultes, on va venir au monde à peu près dans les mêmes années. Hein? Cette personne-là ne va pas venir au monde 30 ans après moi si, en tant qu'adulte, on a des choses à régler ensemble. C'est tout orchestré, hein, une réincarnation. Quand je vous explique dans la réincarnation qu'avant de venir sur Terre, on a une petite liste d'épicerie sur laquelle on va écrire les choses qu'on veut venir vivre sur Terre et qu'on doit venir vivre sur Terre. Les grandes lignes, hein, j'ai toujours dit, on écrit nos grandes lignes. Mais une fois qu'on s'incarne, notre ego prend de la place. Et notre ego, lui, vient se manifester puis il vient utiliser son libre arbitre. Et parfois, l'âme, elle va pousser pour dire, hey, il faut qu'on rencontre cette personne-là, fait qu'il faut qu'on se retrouve à tel parc, à tel moment, et c'est important. Alors, n'importe quoi d'autre que l'ego va vouloir faire, l'âme va pousser et l'ange gardien, l'univers vont conspirer pour qu'on se retrouve exactement là où on doit être à ce moment-là. Alors, l'ego peut avoir son libre arbitre pour décider d'un paquet de choses. Qu'est-ce qu'on va manger pour souper ce soir? Est-ce que je mets mon pyjama rouge, mon pyjama bleu? Ça, c'est tout l'ego qui va choisir ça. OK? Mais les grandes lignes de notre destin, on les a choisies avant de s'incarner, mais l'âme, il faut qu'elle travaille avec l'ego pour que ça puisse se réaliser. Donc, effectivement, je peux avoir des personnes très précises à rencontrer dans ma vie, des personnes avec qui j'ai déjà vécu, que je reviens d'une vie à une autre vie. Et je répète, des fois, c'est pour régler du karma. Des fois, c'est parce qu'on est motivé puis on s'est bien entendu. D'autres fois, c'est parce qu'on est rendu au même endroit, on avance au même rythme. Et dans tout ça, ce qui est important aussi, c'est qu'on a sensiblement la même mission. C'est qu'on a besoin de venir au monde dans la période qui va nous faire vivre notre mission.
Hein, tous ceux qui se sont incarnés depuis les années 70, par exemple, OK? Parce que je m'inclus dans ça. Tous ceux et celles qui se sont réincarnés dans les années 70 avaient des choses à vivre par rapport à toute l'évolution, ne serait-ce que technologique, qui s'est déroulée depuis ces années-là. Mais dans 200, dans 300 ans, ça va peut-être être complètement quelque chose d'autre qui va révolutionner la planète Terre, puis on va avoir besoin de revenir sur Terre pour expérimenter cette nouvelle technologie-là ou ces nouvelles avancées ou ces nouvelles ouvertures-là. Alors, peut-être que notre prochain saut ici sur Terre va être seulement dans 300 ans, mais dans 300 ans, on va peut-être être rendu une grande majorité d'âmes au même endroit et là, on va toutes se retrouver, puis on va toutes se retrouver ici sur Terre. Alors, je répète, est-ce qu'on se réincarne avec les mêmes personnes? Ce n'est pas systématique. Vous allez pouvoir écrire vos questions dans les commentaires. Je vais en prendre quelques-unes. J'ai des personnes qui disent « oui, c'est la première fois ». J'en ai invité plusieurs à suivre. Ça, c'est Edna. Merci, Edna. Première fois, Jérôme Poirier. Bienvenue, Jérôme. Et merci à Annick Lepage de t'avoir référé à nous. Oups, ici, Mario Carrier. Donc, c'est Suzanne Leclerc. Bonsoir, Suzanne, pour la première fois. Merci, Mario, d'avoir référé Suzanne. Sylvie Tremblay aussi, première fois, référée par Ginette Lévesque. Oh, c'est donc bien le fun. Disons, merci, vous êtes super gentils. Ça me fait plaisir, plaisir. Première fois, mon amie Rachel Lavoie m'a parlé de votre mardi. Ça m'intéresse. Ça, c'est Marc. Bienvenue, Marc. Il y a beaucoup de gens qui ont invité. Parfait. Ben, merci beaucoup. C'est bon. Merci. Oui. Puis les questions, je vais y revenir un petit peu plus loin pour la réincarnation dans les mêmes familles. Beaucoup de choses qui sont encore une fois, intéressantes. Je vais partager avec vous aussi, dans les recherches que j'ai faites. Parce que quand on parle de famille d'âme, moi, je veux bien parler des familles d'âmes, des gens qu'on connaît ici sur le plan terrestre, mon papa, ma maman, mes cousins, mes frères, mes sœurs, etc. Mais parfois, quand on parle de famille d'âmes, on va un petit peu plus loin. C'est-à-dire que moi, Marilène Coulombe, lorsque je me suis incarnée en âme individuelle pour occuper un corps individuel. Mais mon âme a des ramifications avec plein d'autres personnes, parce qu'on est tous reliés les uns aux autres. Tout le monde qu'on va croiser une fois dans notre vie, bien, ils ont leur raison d'être dans notre vie, d'être là dans notre vie. Maintenant, il y a une personne qui a écrit, il y a plusieurs personnes qui ont écrit sur le sujet, mais il y en a une qui revient constamment, c'est Marie-Lise Labonté. Et Marie-Lise Labonté a parlé des familles d'âmes. Fort probablement que Marie-Lise Labonté a des contacts avec l'au-delà, a des contacts justement avec les anges, avec les archanges, avec les êtres de lumière. Je n'ai pas lu son livre, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Il fera partie, il sera sur ma liste des prochains livres que je lirai. Et peut-être aussi pour un prochain club de l'éveil, qui sait, ça pourrait être un bon sujet. En fait, les familles d'âmes, selon Marie-Lise Labonté, et c'est 13 familles d'âmes. Peut-être que vous allez vous reconnaître parmi ces familles d'âmes-là. Je vais vous en parler brièvement, très, très brièvement, parce qu'il y a quand même 13 familles. Mais c'est quand même intéressant de penser qu'on vient d'une famille d'âmes. On a une famille sur Terre, mon papa, ma maman, etc. Mais quand on est dans l'au-delà, on fait des contacts aussi. On rencontre des gens, on croise des âmes. Hein? On s'associe avec d'autres âmes, on continue d'évoluer avec d'autres âmes. Et selon Marie-Lise, eh bien, on forme des familles d'âmes. Alors, je vais vous nommer les 13 familles d'âmes. La première famille, c'est la famille des maîtres. Cette famille-là, ce sont des âmes qui s'incarnent sur le plan terrestre pour initier le mouvement, pour partir des nouvelles choses. Okay? Ces familles d'âmes-là sont principalement là quand il y a des gros changements au niveau des époques, au niveau des ères. Okay? Alors ça, c'est la famille des maîtres. La deuxième famille, c'est la famille des guérisseurs. Ça, c'est la famille qui sont porteuses du fluide de la guérison et prodiguent la guérison sous toutes les formes. Alors, dans la famille des guérisseurs,
ce sont des âmes qui se sont réunies en même temps, ensemble, et puis en même temps, peut-être pas parce que le temps n'existe pas de l'autre côté, mais qui se sont réunies ensemble et qui ont décidé, pour une grande quantité d'eux, de se réincarner dans les années 2000 pour venir amener des avancées au niveau de la guérison. Okay? Alors, ces êtres-là, ces âmes-là, principalement font partie d'une famille qui s'appelle les guérisseurs. Et j'imagine que sur le plan terrestre, quand on parle de la guérison sous toutes ses formes, bien, c'est tous les thérapeutes, c'est tous les infirmiers, infirmières, les médecins, les intervenants, les ambulanciers, en fait, tous les gens qui vont travailler sous la forme de guérison, mais proviennent fort probablement d'une équipe, d'une famille d'âmes qui sont les âmes des guérisseurs. La troisième famille, c'est la famille des guerriers guérisseurs. Alors, cette personne-là, cette famille-là, ces âmes-là, mais elles alignent le fluide de la guérison, le protègent et le défendent. Alors, c'est comme si la famille des guérisseurs avait une armée de protecteurs qui, eux aussi, peuvent amener la guérison, mais vont surtout défendre et protéger les guérisseurs, la famille des guérisseurs. Puis j'imagine aussi, lorsqu'on parle de ces familles-là, bon, comme je vous le répète, là, j'ai pas lu le livre de Marie-Élise La Bonté encore, mais dans ces âmes-là, il y en a qui s'incarnent, qui sont ici présentement sur Terre, mais il y a encore de ces âmes-là qui sont de l'autre côté et qui sont des guides. Hein? Un médecin qui se forme pour devenir, par exemple, chirurgien, bien, il y a des êtres de lumière, des guides de la famille des guérisseurs qui vont l'encadrer aussi. Mais cette famille d'âmes des guérisseurs-là vont l'encadrer dans le cadre de son travail. Une fois que le médecin a enlevé son petit casque, ses gants, son masque, puis que son uniforme de médecin, puis qu'il est à la maison, puis qu'il est en train de prendre une bonne bouteille de vin avec sa femme sur le bord du foyer, puis qu'ils sont en train de planifier le prochain voyage, bien là, les guides guérisseurs ne sont pas là. Cet homme-là a sa propre mission de vie en individuel à vivre. Il y a aussi la famille des chamans. La famille des chamans vient aider la planète Terre et tous les éléments à vivre une guérison et à aligner leurs vibrations. Parce que oui, hein, tout ce qui est dans la nature, la planète Terre, tout ce qui est dans la nature, bien, il y a des êtres qui vont la protéger, la Terre. Il y a des chamans, on appelle ça des chamans parce qu'ici aussi, les chamans ici sur Terre vont travailler avec la nature. Donc, la famille des chamans vont protéger, vont guérir tout ce qui se passe sur la planète Terre, dans la nature, OK? Tout ce qui est naturel. Ensuite, nous avons la famille des guérisseurs enseignants. Eh bien, cette famille-là bien, vient enseigner la guérison sous toutes ses formes. Ensuite, on a la famille des guerriers. Donc, la famille des guerriers vient défendre, travailler et agir pour parer l'ombre et de protéger l'univers des âmes. Alors, oui, on a des familles de guerriers. On a des familles de guerriers, ces âmes-là viennent protéger tout ce qui est de l'ombre. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé des cas de possession. On a parlé des êtres qui sont dans la noirceur. On a parlé des anges déchus. Mais autant il y a des êtres de lumière, mais les êtres de l'ombre existent aussi. Alors, les guerriers ici, la famille des guerriers vient protéger. Mais on le sait très bien aussi que même si on vient protéger, bien, il y a des fois où est-ce que les forces de l'ombre passent quand même. Okay? Ensuite, nous avons la famille des alchimistes fées. Moi, je crois aux fées. J'ai déjà vu des fées. OK? C'est peut-être pas le lot de tout le monde. C'est peut-être pas la croyance de tout le monde. Mais cet univers-là, moi, je suis convaincue qu'elle existe. Alors, il y a la famille des alchimistes, la famille des fées. Ces êtres-là, ces âmes-là, viennent spiritualiser la matière. Donc, ils peuvent transformer la matière. D'ailleurs, on le sait, les alchimistes peuvent transformer la matière. Alors, ce groupe d'âmes-là, cette famille-là, viennent spiritualiser la matière. Il y a aussi la famille des communications. Famille des communications, mais ils viennent communiquer, transmettre l'amour et s'exprimer sous une multitude de formes. Alors, ce sont des grands orateurs. Ce sont probablement tous les grands conférenciers qu'on a sur la planète. Je pense à Tim Robbins, je pense à Jim Rohn, je pense à un peu plus près de nous, on a Patrick Leroux, on a Martin Latulippe. On en a plusieurs, des grands conférenciers qui viennent
communiquer, qui viennent transmettre, qui viennent partager des expériences, mais par-dessus tout, ils viennent vulgariser les choses. OK? Alors, la famille de communication. On a en 9e position la famille des enseignants qui possèdent et transmettent le fluide de la connaissance et c'est aussi les gardiens de la connaissance. Qu'est-ce qui fait que des années plus tard, des centaines d'années plus tard, on sache qu'est-ce qui s'est passé il y a 100 ans, il y a 200 ans, 200 ans plutôt, 300 ans? Mais c'est parce qu'il y a des gardiens de la connaissance, des connaissances qui se transmettent d'une génération à l'autre. Et ces guides-là, ces êtres-là, ces âmes-là qui s'incarnent, mais viennent pour justement les transmettre. On a juste à penser aux professeurs d'histoire. Les professeurs d'histoire, c'est sûr et certain qu'ils font partie de la famille des âmes, des enseignants. On a la famille des passeurs aussi. La famille des passeurs, selon Marie-Lise Labonté, on va la diviser en deux. Il y a certaines familles que je vous ai parlé qu'on divise aussi en deux. Mais la famille des passeurs, dans l'au-delà, ces êtres-là, ces âmes-là, bien, ils vont aider les âmes à passer dans l'au-delà. Tandis que lorsqu'on est ici sur Terre, les âmes qui vont se réincarner et qui sont des passeurs vont aider tous les passages de la vie, par exemple de l'enfance à l'adolescence, changement d'un emploi à un autre emploi, des orienteurs, etc. Okay? Ces êtres-là peuvent faire partie de la famille des passeurs. On a en 11e position la famille des initiateurs de conscience. Eux, ils viennent initier des mouvements de conscience. Donc, actuellement, on en a plusieurs. Parce que depuis les deux dernières années, les consciences se sont énormément ouvertes. Énormément ouvertes. Alors, ceux-là qu'on appelle peut-être, et là, je ne veux pas partir de débat, OK? Mais ceux qu'on appelle des lanceurs d'alerte, s'ils faisaient partie des familles d'initiateurs de conscience, hein? C'est une possibilité. Et lorsque je dis je ne veux pas partir de débat, c'est que je ne me place pas d'une position ou d'une autre. Je dis juste que ça existe, puis possiblement que ces êtres-là ont ouvert des consciences. En tout cas, je peux vous dire que moi, depuis les deux dernières années, ma conscience, elle s'est ouverte en sacrifice par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Ne serait-ce que la politique, vous m'auriez posé la question il y a 3 ans, c'est qui le premier ministre du Québec ou le premier ministre du Canada ou les présidents des États-Unis ou peu importe. Je ne sais pas si j'aurais pas répondu des conneries. Mais depuis les deux dernières années, ma conscience s'est ouverte et on ouvre notre conscience pas seulement que du côté spirituel puis du monde intangible, on ouvre notre conscience aussi sur des fléaux qui se passent sur le plan terrestre. On n'a jamais autant parlé de pédophilie, on n'a jamais autant parlé de trafic humain que depuis les deux dernières années. Hein? Alors, notre conscience s'ouvre de plus en plus. Alors oui, il y a des initiateurs de conscience. Il y a la famille des piliers aussi. La famille des piliers viennent enraciner les plans célestes dans la profondeur de la Terre, viennent recréer des connexions entre les différents sites sacrés de la planète et aussi gardiens des sites sacrés de la planète. Qu'est-ce qui fait qu'on a encore aujourd'hui des monuments qui datent des millénaires? Bien, c'est parce qu'il y a des gardiens dans l'intangible, dans l'invisible, qui vont aussi garder ces monuments-là. Et ces âmes-là qui vont se réincarner, bien, ils vont se réincarner encore une fois dans des gardiens de sites, dans des historiens, dans des créateurs de musées, dans des archéologues. Hmm? Et en 13e, on a la famille des mécaniciens. Famille des mécaniciens qui sont des agents de guérison de la mécanique et dans la réparation de certains circuits du tissu planétaire. Donc, on pourrait penser aux écologistes, aux environnementalistes, on pourrait penser à tous ces êtres-là qui viennent réparer la Terre, mais qui viennent réparer peut-être aussi ou inventer la technologie. Alors, ces 13 familles-là, c'est Marie-Lise Labonté qui nous en parle dans son livre « Les familles d'âmes ». Et c'est un livre que j'ai mis sur ma liste pour pouvoir rajouter à lire sous peu. Et je le répète, fort possiblement que ça sera un de mes sujets
dans mon club de l'éveil. OK, maintenant, qu'est-ce que les questions? Monique Jobin, est-ce que c'est possible de ne pas avoir de famille d'âme? Ben, Monique, j'aurais peut-être envie de te dire oui, parce que je m'initie aux familles d'âme dans l'au-delà avec Marie-Lise La Bonté. Je peux pas dire que c'est vrai, je peux pas dire que j'adhère à ça, j'ai pas encore lu et j'ai pas approfondi par mes expériences personnelles. Mais ce que je peux dire, c'est que ça fait bien du bon sens. Ça fait bien du bon sens, OK? OK! Manon qui dit, tu peux au cours de ta vie parfois changer de famille exceptionnellement. Ça vaut la peine de lire le livre. Ah, parfait. Merci, Manon. C'est gentil. Question, et si on ne se reconnaît pas? L'âme va toujours se reconnaître. Quand on va croiser des personnes qui sont qu'on avait prévu rencontrer dans notre vie, on va toujours se reconnaître. Et des fois, on se reconnaît plus fort qu'à d'autres moments donnés. Tu sais, des impressions de déjà-vu. Il me semble que je te connais. Il me semble qu'on s'est déjà vu en quelque part. Ou on rencontre quelqu'un pour la première fois, on commence à jaser, puis mon Dieu, on voudrait plus arrêter de jaser parce qu'on a tellement d'affinités. On a l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Toutes ces sensations-là, mais fais en sorte que ben, tu peux être certain que c'est une âme que tu as connue dans une autre vie ou une âme avec laquelle tu avais prévu venir faire un bout de chemin ici sur Terre. Doris Dubé, je l'ai depuis longtemps ce livre de Marie-Lise La Bonté. Je le trouvais difficile à comprendre. Effectivement, Doris, je te conseille de le relire à partir de maintenant. Peut-être parce que je t'en ai parlé aujourd'hui, mais des fois, il y a des livres qu'on va lire qu'on va trouver un petit peu plus difficiles. Mais c'est parce qu'on a besoin d'évoluer, on a besoin de grandir pour mieux comprendre. Puis des fois, on va lire un livre, on le comprend très bien, mais de le relire quelques temps après, bien, on n'est plus à la même place, fait qu'on comprend différemment. OK? Maryse, très intéressant ce soir. Merci Maryse. Gisèle, je vais lire ce livre. Parfait. Cathy qui dit « Je viens de voir que j'ai le livre dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai jamais lu. » Cathy, t'es pas toute seule, ça m'arrive des fois. Ça m'arrive. Et si tu as le message ce soir, t'assistes au live, tu sais, moi je dis tout le temps, il arrive jamais rien pour rien. Donc, si t'assistes au Bandit en direct ce soir, que je parle de ce livre-là, et que là tu t'aperçois que tu l'as dans ta bibliothèque, pour moi, ça c'est un signe. Ça veut dire que le prochain livre que tu dois lire, Cathy, c'est celui-là. Là, sors-le de ta bibliothèque, là, puis mets-le à la vue pour que tu puisses le lire. Ici, on a Stéphanie qui demande, est-ce qu'on peut appartenir à plus qu'une famille d'âmes? Pour ma part, trois familles me rejoignent énormément. Mais justement, ça faisait partie de mes constats lorsque j'ai lu les familles d'âmes. Là, je l'ai lu un peu plus sur Internet aussi. Et bien, moi, je me disais, Marina, non, moi, je suis dans la communication. Oh, moi, je suis dans les passeurs. Oh, moi, je suis aux enseignants. Oh, ben là, je ne peux pas être dans toutes ces familles-là. Ah, peut-être que oui. Alors, comme je le dis, je n'ai pas expérimenté encore. Je n'ai pas fini de. Je n'ai pas lu le livre. Je vais pouvoir vous en parler plus amplement à un autre moment. Mais je me suis posé la question, Stéphanie, est-ce que je peux avoir plusieurs familles? Est-ce que je peux faire partie de plusieurs familles? Est-ce que c'est, par exemple, comme ici sur Terre, on a des cousins, des cousines? Puis des fois, on va mieux s'entendre avec des cousins, des cousines que des frères et des sœurs. Alors, est-ce que moi, je fais partie, par exemple, de la famille des communications, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'affinités dans le mécanicien, dans les familles de mécaniciens, parce que je les visitais souvent, j'étais souvent avec eux. Possible, OK? Donc, si vous l'avez lu, le livre, je vous conseille de le relire parce que, justement, ce soir, peut-être que ça va avoir réveillé des choses à l'intérieur de vous. Ginette Thibault pose une bonne question ici. Que penses-tu des enfants siamois et leur famille d'âme? Je ne pourrais pas te dire, Ginette, mais chose certaine, je vais sûrement faire une recherche par rapport aux enfants siamois. C'est quelque chose qui est hyper intéressant. D'ailleurs, j'ai commencé à recevoir des informations pour les jumeaux jumelles. Quand on vient au monde et qu'on a des jumeaux et qu'on a des jumelles, des jumeaux identiques, des jumeaux non identiques. Est-ce que c'est la même âme? Est-ce que c'est deux âmes? J'ai commencé à recevoir de l'information, de la guidance par rapport à ce sujet-là. Et ça, j'ai bien hâte de vous le partager.
Michel Goulet, ça serait intéressant que tu nous parles de ton expérience avec les fées un de ces jours. Je pourrais en reparler, Michel, mais dans un de mes mardis en direct, j'ai déjà parlé de ce sujet-là. Si tu veux bien aller voir sur Facebook dans la section vidéo, fais une recherche pour justement les fées. Est-ce que les fées existent? Il me semble que c'est ça le titre que j'avais mis. Tu vas voir, j'en parle dans ça. Mais je pourrais aussi en reparler. Annick de Blois qui nous soumet aussi de la même auteure, Marie-Lise Labonté, Accompagnement d'âme. Alors, ça peut être une bonne suggestion de lecture aussi. Joanne qui nous dit, c'est facile avec toi de comprendre parce que tu sais vulgariser, comment vulgariser les choses compliquées. Ben c'est vrai, Joanne, que c'est une de mes qualités. Il y a des gens qui m'ont déjà blessée en me disant que on suivait plus mes mardis en direct parce que de la façon dont je parlais, c'était trop enfantin. C'était justement pas assez recherché comme mot. Ben j'aime mieux pas avoir tant de mots recherchés puis faire comprendre au plus de gens possible. Ben, les informations qui nous viennent de l'au-delà. Alors, je sais que ça fait partie d'une de mes grandes qualités de pouvoir vulgariser toute cette dimension-là. Alors, merci, Joanne, de le souligner puis de me le partager. Ça me fait toujours plaisir. Parfait, Léna, on va sûrement le relire, oui. Yolande Bergouin qui dit, mais déjà arrivé de rencontrer des personnes, l'impression du déjà-vu. Oui, tout à fait. Hein? Cathy dit, moi et ma cousine Sylvie, on t'écoute, on a découvert un bel affinité ensemble. Tant mieux, j'adore les filles, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a aussi? Bonsoir, Nancy Cloutier, pardon Nancy, qu'est-ce qui fait que deux âmes s'attirent et se repoussent continuellement? Eh bien, on a des choses à vivre, tout simplement. J'ai envie de te dire, Nancy, c'est tout simplement ça. On a des choses à vivre. Alors, il y a des moments où est-ce que c'est l'ego qui prend le devant, l'ego va agir d'une façon, et quand c'est l'âme qui va prendre le devant, l'âme va agir d'une façon un peu différente. Pas nécessairement totalement opposées, mais différentes. Ce qui va faire qu'il y a des matins, tu es poussé à aller vers une personne, puis à d'autres moments donnés, tu es porté à te reculer de cette personne-là. C'est tout simplement parce qu'on a beaucoup de choses à vivre ensemble. C'est pour ça. Merci Michel, ça me fait plaisir. Ici. Question, après combien de temps on se réincarne après notre mort? Est-ce que mes proches vont m'attendre de l'autre côté après ma mort ou s'ils vont se réincarner avant? Cynthia, aujourd'hui, de ce que je sais de la réincarnation, parce que c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup et que je m'informe beaucoup là-dessus, aujourd'hui, la réincarnation, elle prend plus de temps à se faire à notre temps terrestre. Parce que tu comprends bien, Cynthia, le temps n'existe pas de l'autre côté. Mais dans notre temps terrestre, supposons que je prends le temps terrestre pour nous faire une image, bien, je peux te dire qu'aujourd'hui, ça prend de 50 à 100 ans avant de se réincarner. Pourquoi? Parce qu'on est plus proche de notre monde. On a beaucoup plus d'affinité avec notre monde. Exemple, tu te poses la question aujourd'hui, est-ce que mes défunts vont m'attendre? Parce qu'il y a des défunts qui sont décédés aujourd'hui. Moi, j'ai à peine 30 ans. T'as coup, je meurs juste à 80 ans. Ça veut dire qu'il y a encore 50 ans, ils ont le temps de se réincarner deux puis trois fois. La réponse serait oui, tu as raison. Mais ces êtres-là ont peut-être envie de t'attendre, toi, parce qu'ils ont encore des choses à vivre avec toi dans l'entre-deux, donc dans l'au-delà, et peut-être pour une prochaine vie aussi. Donc, disons qu'aujourd'hui, on attend plus souvent les personnes qu'on a aimées dans cette période-ci. Ce qui était peut-être moins le cas il y a 100 ans, pas si loin que ça, là, juste 100 ans en arrière. C'est bon? Gigi, qu'est-ce que tu me poses comme question? Peut-on se réincarner dans un autre pays? Ben, moi, je crois que oui. Je crois que tu as répondu dans ton désir d'être dans un autre pays ou une différente race, mais avec le même ange gardien. En fait, notre ange gardien va nous suivre tant ou si longtemps qu'on est au même niveau de sa guidance, de ce qu'il peut nous apporter. Si dans une prochaine vie, c'est plus cet ange gardien-là que j'ai besoin parce que j'ai besoin de vivre complètement autre chose. Exemple, si je change de pays, je change de culture,
ben, c'est peut-être plus le même ange gardien qui va me suivre. Ça, c'est une possibilité. Il me reste encore beaucoup de choses à explorer de ce côté-là. Je vous l'ai dit tantôt, Marilyn, c'est pas tout. Marilyn, elle a pas la vérité infuse. Je suis encore sur les bancs d'école avec mes aides de lumière, mes guides, pour apprendre encore avec ces personnes-là. Mais effectivement, peut-être qu'on change d'ange gardien entre-temps. Merci Stéphisa Martel, ça me fait plaisir. Georgette pose une question. Les orphelins ne rencontrent sûrement pas des anciennes âmes. Je ne sais pas dans quel contexte, Georgette, tu poses la question des orphelins. Je ne sais pas si tu parles des orphelins, genre les enfants qui sont abandonnés quand ils viennent au monde, mis dans des crèches, et etc. Ou si tu parles des orphelins, des enfants qui perdent leurs parents, qui perdent leur famille. Ou si tu parles des orphelins qui sont dans l'au-delà parce qu'on ne fait pas partie d'aucun groupe de famille d'âmes. Mais je ne pense pas. De toute façon, je ne pense pas qu'on est orphelin nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. Même si on vit au monde sur Terre, même si on devient orphelin sur Terre, même si, par exemple, on ne se sent pas associé à aucune famille d'âmes, ben, je suis convaincue qu'on n'est pas plus orphelin. C'est bon? Michel Goulet, tu demandes, je me demande s'il y a des familles d'âmes complémentaires, exemple les guérisseurs avec les alchimistes ou etc. Michel, je le croirais aussi, mais je te répète, j'ai pas lu le livre encore, peut-être déjà Marie-Lise répond dans son livre, mais juste à intuitivement à suivre le texte de ses livres, etc. Moi, j'aurais tendance à penser que oui, intuitivement, oui. Juste avant de répondre à une autre petite question, je voulais valider avec vous. En fait, je veux juste vous partager les prochaines activités. Ça se passe où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus avec Marilyn? Surtout les nouvelles personnes qui sont arrivées ce soir puis qui trouvent ça intéressant. Bien, premièrement, sachez que je suis là à tous les mardis soirs. Donc là, attendez plus des invitations. Vous êtes les bienvenus à tous les mardis. C'est toujours gratuit. Il n'y a jamais rien qui vous est demandé le mardi soir à défrayer pour participer à mon Facebook Live, à mon YouTube Live, etc. C'est complètement gratuit. Moi, ça me fait plaisir de redonner à la communauté comme ça. Dans les prochaines activités, ce que vous devez mettre à votre agenda ou vous mettre un petit rappel, eh bien, le Club de l'éveil du mois de mai. Le Club de l'éveil, c'est une formule d'abonnement dans laquelle à tous les mois, on reçoit une boîte physique à la maison avec plein d'affaires de découvertes dedans. La boîte qui a trait à la spiritualité, la médiumnité, nos sens, etc. Et le mois prochain, au mois de mai, c'est la puissance de l'aromathérapie pour éveiller sa médiumnité. Alors, est-ce qu'on peut utiliser l'aromathérapie pour éveiller sa médiumnité? Ben, la réponse est oui. Et dans cette rencontre-là, dans notre boîte et dans la rencontre, bien, je vais vous indiquer comment utiliser l'aromathérapie pour développer votre médiumnité. Mais vous avez jusqu'au 30 avril pour vous abonner. Parce que dépasser le 30 avril, on s'en va dans le mois de juin. Okay? Ensuite, ben, ma formation « Devenir médium professionnel ». Alors, encore une fois, si tu as le goût de développer tes capacités pour aider les gens, pour en faire un métier, pour en faire une profession, eh bien, je vais mettre à ton service mes 28 années en tant que médium professionnel pour t'aider toi aussi à ouvrir une carrière. Et une des raisons pour laquelle je fais ça aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup de gens qui me demandent de faire des consultations, mais j'en fais plus maintenant depuis 4 ans. Et j'ai pas personne à qui référer parce que pour moi, la médiumnité, référer des intervenants en médiumnité, c'est délicat et je peux pas référer n'importe qui. Alors que dans cette école-là, au terme de la formation de devenir médium professionnel, eh bien, tu pourras rejoindre mon équipe de médium et je pourrai à ce moment-là te référer des gens. Puis tout le monde qui avait besoin d'une consultation aujourd'hui, soyez patient. Quand la plateforme va s'ouvrir, quand tout ça va s'ouvrir, je vais pouvoir vous référer de très bons médiums. Et finalement, dernière, vous avez jusqu'au 30 avril pour vous inscrire pour devenir médium. Daniel et Michel vous mettent les liens dans les commentaires. Pour terminer, c'est la soirée canalisation le 4 mai prochain. Et la soirée canalisation, ça aussi, c'est complètement gratuit. C'est une soirée où je vais canaliser des messages de vos défunts. Mais pour y participer, il faut vous inscrire. Si vous voulez un message d'un défunt, il faut vous inscrire. Et le 4 mai, bien, comme on est près de la fête des mamans, eh bien, je vais faire un spécial
anniversaire de maman. Alors, je vais essayer de canaliser le plus de mamans possible et le plus d'enfants possible pour donner un message aux mamans. Alors ça se passe le 4 mai prochain. Et mardi prochain, le 3 mai, notre sujet dans notre mardi indirect, dans notre mardi direct, je vais faire un sujet qui va englober le lien entre l'âme et la maman. Quand est-ce que l'âme s'incarne dans la maman? Est-ce que c'est quand la maman est enceinte? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est dans le processus de la grossesse? À quel moment la petite âme a choisi sa maman? Alors, comme on est dans la thématique de la fête des mères qui s'en vient, message de maman et tout ça, bien, notre sujet mardi prochain, ça va être les liens. Tu sais, des fois, quand on a l'intuition par rapport à nos enfants, on a des affinités avec nos enfants, bien, c'est ça qu'on va parler mardi prochain. Alors, on y va avec une petite dernière question qui a trait avec notre live de ce soir. Bougez pas une seconde. Merci Daniel, merci Michel. En passant à vous deux d'avoir été là pour la soirée puis d'avoir partagé les liens. Ici, Marie-Pierre demande comment on fait pour reconnaître son âme sœur si elle est parmi nous sur Terre. Mais Marie-Pierre, ça peut être encore une fois par des émotions, par des frissons, on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Des fois, juste en regardant quelqu'un, on connaît, puis c'est les papillons dans le ventre, c'est les chaleurs, c'est on devient rouge, puis la personne n'a même pas rien dit encore. C'est l'attirance qu'on peut avoir pour cette personne-là. Et des fois aussi, c'est des signes qui sont, j'ai envie de te dire, physiques. Et moi, c'est ce qui est arrivé quand j'ai rencontré Michel, mon mari actuel. Je ne raconterai pas toute l'histoire, mais dans l'aréna, on s'est rencontrés à l'aréna où mon garçon jouait au hockey. Michel était devenu un coach de hockey. Et à un moment donné, on s'est croisés, on était plein de parents debout ensemble. Et Michel rentre, il dit bonjour aux gens. Puis quand il m'a regardé, ça l'a fait tellement un gros boom ici au niveau de ma poitrine. C'est comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing. Puis c'est assez que je me suis quasiment pliée en deux puis j'ai manqué d'air. C'est à ce point-là. Et Michel, je l'avais vu 2-3 fois dans l'aréna. Là, c'était pas la première fois qu'on se disait bonjour. Mais cette fois-là, c'est comme si mon âme avait rencontré son âme, avait reconnu son âme. Puis quelques semaines après, Michel et moi, on était en couple, puis un an après, on était mariés. Donc, c'est un peu comme ça, Marie-Pierre, qu'on peut retrouver notre âme sœur, qu'on peut savoir que c'est notre âme sœur. Puis attention, les âmes sœurs, c'est pas juste en amour. Les âmes sœurs, c'est toutes les âmes qu'on a prévues de rencontrer sur Terre qui vont jouer un rôle important dans notre vie. Tu sais, Marie-Pierre, toi et moi, ce soir, on avait prévu de se rencontrer dans un mardi en direct. C'est peut-être pas le premier mardi que tu es avec moi, mais on avait prévu de se rencontrer ensemble ici, dans le mardi en direct. Ça ne fait pas nous des âmes sœurs parce qu'on se croise, on est des connaissances. Mais les personnes qui sont importantes dans notre vie, qui deviennent des personnes importantes dans notre vie, mais ces âmes-là, ce sont des âmes sœurs parce qu'on avait prévu se rencontrer. On avait prévu se retrouver ensemble. C'est bon? Alors, c'est ce qui va conclure notre mardi en direct de ce soir. Je veux vous dire un grand merci. Merci Daniel, merci Michel d'avoir été là. Merci à tout le monde d'avoir été présent. On se donne rendez-vous mardi soir prochain. 20h, hein, on va parler des liens entre la mère et les enfants. Tous les gens qui sont dans le Club de l'éveil, je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour notre 30 minutes supplémentaires en VIP. On va continuer la conversation. Je vais continuer de répondre à vos questions. Et tout le monde, n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 30 avril pour la boîte de l'éveil du mois de mai. Vous avez jusqu'au 30 avril pour la formation Devenir médium. Et vous avez aussi jusqu'au 4 mai pour vous inscrire pour notre soirée spéciale canalisation. Là-dessus, je vous embrasse fort, fort, fort. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à mardi prochain, même heure, même poste. Bye bye tout le monde.